Bonjour, je m'appelle William Guimond-Martin. Lancer des objets est très naturel pour les humains. Pourtant, lancer des trucs demande de prendre en compte plein de paramètres. Par exemple, la façon de prendre l'objet a un grand impact sur sa trajectoire. Ici, on peut voir que pour une même vitesse de lancer, un tournevis pris par le manche, donc près de son centre de gravité, va moins loin qu'un tournevis pris par sa tige. De la même façon, on ne lance pas un tournevis de la même façon qu'une balle de ping-pong, où la résistance de l'air a un impact plus important. Mais comment pourrait-on apprendre à un robot comment lancer des objets? C'est la problématique que Andy Zhang et Al ont étudiée dans Tossing Bot, Learning to Throw Arbitrary Objects with Residual Physics. Leur but est de développer un robot capable de lancer des objets différents en apprenant conjointement comment les prendre et la vitesse à laquelle les lancer. Et ce, par essai-erreur, avec une intervention humaine minimale. Comme on peut le voir, le robot est capable de lui-même réinitialiser son cycle d'entraînement. On connaît très bien les équations de la balistique qui permettent de calculer la vitesse à laquelle lancer un objet pour atteindre une cible. Ces équations donnent de bons estimés et se généralisent à tout type d'objet. Mais elles sont trop simplistes. Elles considèrent l'objet comme étant une masse ponctuelle dans le vide. Si on était pour lancer un objet à la vitesse prescrite par ces équations, on raterait probablement la cible. Il faut venir corriger ces équations en calculant un résidu qui dépend des caractéristiques de l'objet, comme son aérodynamisme. Cette approche se nomme la physique résiduelle et se retrouve au cœur de Tossing Bot. On va combiner un modèle physique qui va fournir un estimé de la vitesse de lancer avec un réseau de neurones qui vient corriger cet estimé selon l'objet. Tossing Bot va prendre en entrée une position cible, donc où on veut lancer l'objet, et une image 3D en couleur de son aire de jeu. Cette image est générée à partir d'une caméra 3D sur le côté du robot. Tossing Bot est séparé en quatre grands modules. On a le module de physique qui vient calculer un estimé de la vitesse de lancer selon les équations de la physique. Ensuite, on a trois autres modules qui sont en fait des réseaux neuronaux de convolution à cette couche. Donc, le module de perception vient projeter l'image 3D dans un espace intermédiaire de feature. Ensuite, on a le module de prise qui vient proposer des prises. Donc, on va passer à ce module la représentation intermédiaire et l'estimé de la vitesse du module de physique, car on sait que la prise va dépendre de la vitesse à laquelle on veut lancer l'objet. Ce réseau va apprendre à proposer des prises qui permettent de meilleurs lancers. Donc, ici, chaque pixel de la sortie correspond à la probabilité de succès de la prise, à la position correspondante dans l'image 3D, pour une pince qui est alignée sur l'axe des X. Ensuite, on a le module de lancer qui vient calculer le résidu que l'on devrait ajouter à l'estimé de vitesse pour avoir un lancer correct. On ajoute ce résidu à l'estimé pour avoir la vitesse de lancer. Ici, chaque pixel correspond à la vitesse de lancer pour les prises qui y sont correspondantes. Pour prendre en compte plusieurs orientations possibles de pince, on passe l'image 3D avec 16 orientations différentes dans le système. Pour choisir la prise, on regarde quelle prise parmi les 16 rotations possibles a la plus grande chance de réussite. On obtient ici une orientation de pince et une position. Ensuite, on regarde la sortie du module de lancer pour savoir à quelle vitesse lancer l'objet. Avec ces valeurs, on est enfin prêt à lancer des objets. J'aimerais faire quelques petites précisions à propos de la façon de lancer des objets. Quand on lance un objet, on a plusieurs choix d'emplacement où on lâche l'objet, d'angle et de vitesse. Tous ces choix vont permettre d'atteindre la même cible. Mais on doit choisir une position, un angle et une vitesse. On va donc faire quelques petites simplifications. On va restreindre la position où on lâche l'objet à un cercle autour de la base du robot, à une hauteur fixe du sol. On va lancer l'objet directement vers la cible. Donc, ça va nous limiter à une seule position où est-ce qu'on va pouvoir lâcher l'objet. On va aussi supposer que la vitesse va faire un angle de 45 degrés avec le sol. Donc, ça va nous limiter à une seule vitesse possible pour atteindre la cible. Donc, ces simplifications-là vont nous permettre de se concentrer sur une seule solution. Pour l'apprentissage, on prend une approche epsilon greedy. Au début de l'entraînement, le réseau va avoir tendance à explorer des prises et des vitesses qu'il n'a jamais essayées. En fait, au début, le robot a 50% de chance de prendre une prise au hasard et 50% de chance de prendre une vitesse au hasard. Ceci va permettre de bien explorer l'espace des solutions possibles.
Au fur et à mesure de l'entraînement, le robot va aller davantage vers ce qu'il pense optimal. Donc ça va permettre au robot de raffiner ses prédictions. Ils ont une fonction de perte spécialement conçue pour ce projet. La perte est composée de deux parties. LG va pénaliser pour la prise, alors que LT pour le lancer. YI vaut 1 si la prise a réussi, et 0 si la prise a échoué. Ils ont étudié deux façons de déterminer cette valeur. Premièrement, en regardant la distance entre les doigts de la pince après une tentative de prise. Si la distance est trop petite, c'est qu'il n'y a pas d'objet entre les pinces, donc on n'a rien pris. Et une deuxième façon, qui est en considérant une prise réussite, si le lanceur réussit. On verra dans la section sur les résultats comment ces méthodes se comparent. LG est la cross-entropie binaire qui permet d'ajuster la prédiction de la probabilité de réussite de prise selon le résultat réel. Pour ce qui est de la perte LT, comme LT est multiplié par YI, on ne pénalise le lancer que si la prise a réussite, car de toute façon, on n'a pas pu lancer. LT est une paire de Hubbert qui vient comparer le résidu par rapport à son ground truth. La paire de Hubbert est une fonction de perte similaire à l'erreur quadratique moyenne, mais qui pénalise moins les points aberrants. Mais là, on peut se demander, comment on fait pour avoir le ground truth pour le résidu? En fait, ici, les auteurs utilisent une petite astuce. Il y a une caméra au-dessus des cibles, donc on peut trouver l'endroit réel où est tombé l'objet. Sachant que la vitesse de lancer était la bonne pour atteindre la position réelle, on peut trouver la valeur qu'aurait dû avoir le résidu en comparant la vitesse de lancer avec l'estimé de la vitesse pour atteindre la position réelle. On obtient alors le ground truth pour le résidu pour la position réelle. On sauvegarde ces valeurs pour faire de l'entraînement par Prioritize Experience Replay. Donc, ce qui veut dire qu'on utilise des expériences du passé pour apprendre. Ils ont testé leur système en simulation par ordinateur. La simulation ne prend toutefois pas en compte l'aérodynamisme des objets. Voici les résultats. Ils ont comparé leur méthode avec d'autres façons de faire. Ici, on peut voir le modèle de régression qui revient à utiliser la même architecture, mais cette fois-ci en prédisant directement la vitesse sans passer par le résidu. Pour garder les modèles comparables, on remplace l'estimé de la vitesse par la distance entre le robot et la cible. Ensuite, on a le modèle de régression POP, donc c'est le modèle de régression, mais pré-entraîné sur les équations de la physique, donc pre-trained on physics. Donc, au début, on s'attend à ce que la sortie de ce modèle soit très semblable à celle du modèle de physique, mais qu'au fur et à mesure finisse par s'adapter aux objets. Dernièrement, on a le modèle de physics only, qui est simplement les équations de la balistique qu'on a vues un peu plus tôt. On voit que le modèle de physique résiduelle est plus précis pour tout type d'objet. On note par contre que le modèle de physics only reste très compétitif. C'est parce que la simulation n'incorpore pas la résistance de l'air et ce modèle non plus. Par contre, on se rend compte que les performances sur des objets jamais vus baissent pour tous les modèles. Selon moi, c'est parce que les objets de test sont plus difficiles à lancer, comme on peut le voir ici. Pour ce qui est des tests dans le vrai monde, ils utilisent un bras robotisé UR5 et un gripper RG2. Leurs tests ont été faits avec des objets divers, comme des blocs, des fruits en plastique et des objets de bureau. On voit que la méthode proposée surpasse toutes les autres et que l'on conserve une précision supérieure à 80%, même pour des objets jamais rencontrés. On voit donc que Tossingbot est plus précis et a une meilleure généralisation que toutes les autres méthodes. On note que Tossingbot a aussi battu l'humain moyen dans leurs tests. Ils ont aussi comparé les différentes façons de déterminer si la prise est réussite, soit par seuillage sur la distance entre les pinces, ou simplement considérer la prise réussite si le lancer est réussi. On se rend compte que cette deuxième méthode est plus précise, parce qu'une bonne prise pour prendre un objet n'est pas forcément une bonne prise pour le lancer. Une autre expérience a permis de montrer la capacité de généralisation de leur système pour des cibles jamais vues. On entraîne sur un sous-ensemble de quatre cibles, puis on teste sur quatre autres cibles. Comme le montrent les résultats, Tossingbot est capable de bien généraliser pour des cibles jamais vues. Pour avoir une idée de ce que Tossingbot a appris, regardons l'espace intermédiaire généré par le module de perception. Les zones orangées de chaque image montrent des valeurs pixel-wise semblables. Comme on peut le voir, le réseau a appris à représenter des objets de forme semblable
de façon similaire dans l'espace intermédiaire. Comme on peut le voir ici, le réseau donne des valeurs semblables à tous les marqueurs, qui ont tous la même forme, malgré le fait qu'ils aient tous des couleurs différentes. Donc, on peut voir que le réseau a appris d'une certaine façon à reconnaître les formes des objets. Le réseau a donc appris à estimer les paramètres importants au lancer. Pour conclure, je trouve que cet article a une approche très intéressante à la robotique. On combine des modèles différents de façon complémentaire. Je trouve cette idée très intéressante d'avoir un modèle physique capable de bien généraliser, auquel on vient ajouter une partie neuronale qui vient compenser pour des paramètres durs à estimer. Il serait intéressant de voir cette approche appliquée à d'autres tâches. Merci pour votre attention.